Bonjour, je m'appelle Émilie Gourdon, j'ai 23 ans, je viens de Paris et je suis étudiante en master d'histoire à l'EHESS à Paris et à l'université d'Heidelberg. Comme beaucoup de Français, j'ai tout d'abord appris l'allemand à l'école et au lycée et par la suite j'ai voulu améliorer mes connaissances du pays et de la langue, donc je suis partie en Erasmus et suite à cette année, j'ai découvert l'université franco-allemande et les doubles cursus qu'ils proposaient. J'ai donc découvert ce master franco-allemand en histoire et je me suis lancée dans l'aventure. Je suis étudiante en histoire, donc pour moi c'était très intéressant d'avoir un sujet d'étude franco-allemand et d'avoir la possibilité donc en Allemagne d'aller chercher des sources allemandes et pas seulement françaises. Donc ça pour moi c'était le principal avantage. J'ai fait un master de recherche, donc j'aimerais vraiment continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire comme je suis quand même dans le système français, passer l'agrégation d'histoire et par la suite faire une thèse. Et pour moi l'idéal ce serait de faire une thèse en co-tutelle en France et en Allemagne bien sûr. Je dois bien avouer que la vie à Heidelberg est pour moi moins chère que la vie à Paris. Donc ça me permet d'avoir un peu plus d'argent aussi pour vivre au quotidien. Et puis j'ai rencontré ici des gens qui sont devenus des très bons amis. Donc ça c'est aussi une ouverture que m'a apporté le fait de partir en Allemagne, de rencontrer des personnes différentes, d'une culture différente et de partager tout ça autour d'une bière ou de currywurst ou de spécialité allemande. Oui, c'est vrai que comparé à Paris, Heidelberg est une petite ville et ça a beaucoup d'avantages. Déjà parce que je n'ai pas de temps de transport. Aller à l'université, ça me demande une minute à pied. Aller à la bibliothèque, aller au restaurant universitaire. Donc il y a un gain de temps énorme et aussi une qualité de vie assez incroyable. La ville est dans une vallée, il y a la montagne, les collines autour. Donc c'est la nature aussi qui est environnante, qui fait un cadre de vie exceptionnel. Grâce à l'université franco-allemande, j'ai une bourse de mobilité qui me permet de pouvoir étudier dans de bonnes conditions à Heidelberg, donc ça c'est très important. Et puis c'est grâce à l'UFA également que des cursus pareils ont pu être mis en place, donc je pense que c'est essentiel.